Je travaille le dimanche. Est-ce que c'est un péché? Alors, il faut d'abord se rappeler que le Seigneur, dans les évangiles, n'a pas donné de commandement extérieur, à la différence de la loi de Moïse, qui a été très stricte sur une série de commandements, dont certains sont cultuels. Il y en a 613 en tout, certains sont effectivement moraux et sont encore valables aujourd'hui, comme « tu ne voleras pas », mais d'autres sont cultuels, dont le sabbat. « Tu ne travailleras pas le samedi », dit la table des commandements, parce que c'est le jour où le Seigneur s'est reposé. Donc il y avait dans cette loi de l'Ancien Testament quelque chose d'important. Il fallait se souvenir du fait qu'on était créé par Dieu. Mais d'autre part, il y avait quelque chose en rapport avec les rythmes profonds de la nature humaine, à savoir 6 jours où on travaille pour soi et 1 jour que l'on consacre à Dieu en ne travaillant pas. L'intention étant évidemment de consacrer son temps à Dieu et pas seulement à rester à ne rien faire matériellement. Mais les Juifs, à un moment donné, avaient même codifié cette absence de travail, donc le côté extérieur, en disant on ne pouvait pas faire tant, plus de tant de pas, je dirais, pour aller chercher quelque chose. C'était devenu quelque chose de si tatillon que le Seigneur s'est opposé frontalement à cette histoire du sabbat, en disant à un moment donné aux Juifs, alors qu'il avait guéri quelqu'un le jour du sabbat, « Hypocrite, qui d'entre vous, alors que son âne, le jour du sabbat, est tombé dans un puits, ne va pas le chercher ?» Donc, il faut maintenant, avec cet esprit qui fait que Jésus dit que la loi est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi, regardez ce qui en est du dimanche. Le dimanche, jour chômé, est une loi de l'Église. Ça veut dire qu'au cours des temps, l'Église s'est rendue compte que, certes, honorer Dieu dans sa résurrection, ce jour-là, était essentiel en allant à la messe, mais que, d'autre part, il fallait aussi respecter ce rythme profond de la nature humaine et le remettre d'une autre façon. Donc l'Église a réinstauré le fait de chômer le jour du Seigneur. L'Église en a donc fait un sacramental, ça veut dire une espèce de signe sensible qui fait que si on l'applique, on reçoit des grâces, parce qu'on consacre 1 jour, 1 sur 7 de sa semaine à Dieu. Ceci étant dit, il faut donc le comprendre spirituellement comme le dit Jésus. Ce qui compte donc, c'est de consacrer, je dirais chaque jour même, une partie de son temps à Dieu seul. 1/7 pourrait-on dire. D'accord. Si on ne consacre rien du tout de son temps à Dieu seul, et ça c'est la réalité cachée sous ce dimanche, eh bien on se marque soi-même du chiffre 6, le chiffre de l'homme sans Dieu. Et si on le fait parfaitement au point d'oublier complètement Dieu, on peut dire qu'on se marque du fameux chiffre 6, 6, 6. C'est-à-dire comme si son propre Dieu était soi-même, comme s'il était créé une humanité sans Dieu, parfaite, équilibrée, sur terre. Et ça ne marche pas, parce que tôt ou tard, on sera rattrapé par les angoisses. Donc ça, c'est le côté esprit. Résultat, quelqu'un qui ne prie plus du tout, qui ne prie plus jamais, évidemment, finit par oublier Dieu. Et puis ensuite, il y a la lettre de cette loi de l'Église. Eh bien, il faut s'efforcer le dimanche d'être davantage consacré à Dieu par la prière, la recherche théologique, et puis à sa famille, c'est-à-dire à son prochain. Cependant, tout en gardant l'esprit, ça veut dire en n'étant pas aussi strict que l'étaient les Juifs de l'ancien temps. Ça veut dire très concrètement que si par exemple, nos obligations, par exemple on est infirmier, médecin, nous oblige à travailler le dimanche et à être en repos un autre jour de la semaine, eh bien il faut être capable de comprendre que l'autre jour de la semaine peut-être sera davantage consacré à Dieu et à sa famille si c'est possible. Et si ce n'est pas possible parce que sa famille elle-même travaille, eh bien il faudra trouver absolument des moments familiaux et des moments pour Dieu. Voilà l'esprit de cette loi de l'Église.